Ok. Ouais. Je suis pas rassuré du tout. Oh putain, c'est... Putain, vous la sentez la musique qui fait flipper là. Putain, ça fait flipper. Oh bordel. Oh bordel, oh mort. 1, 2, 3. Quoi? Ok. Pardon, excusez-moi. Attendez. Bodak, magicien squelette. Ça doit être le magicien squelette qui a dû m'avoir. Ah non, c'est un sort. Mais il vient de tuer son pote. Putain, c'est lui. C'est lui en premier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un one shot qui a tué un de ses potes. Je résiste à des sorts, je comprends pas ce qui se passe. Ça me rend regard mortel. Oh damn, we are in trouble. Putain, c'est le squelette qui prend tout, on peut le délire. Les sorts qui one shot ont un drop. Une dent de Bodak. Ça va être un drop fixe. Putain, ça fait fou. Putain, je le savais. Un coffre piégé. What? Putain, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Je suis entré. Putain, réussite impossible. Il semble le déverrouiller quand même. Putain, 35 sur 34. Ah putain, encore un piège de feu. Oh là, c'est la fin là, je le sens, c'est le dernier étage. 98 en dégâts de feu. Oh là là. 82. Ah putain. Ah non. Ouais, je crois savoir ce qu'il me reste à faire. Je vais recalculer. Je vais essayer de le désamorcer en utilisant un outil de cambrioleur. Ouais, versus 34, je vais utiliser un outil 6. Ouvrir. Utiliser. Ah putain. C'est super chiant de faire ça. Sur le coffre. Ah non, crocheté, merde. Ok. Vider l'emplacement. Un quoi? Un Kama, objet non identifiable. On va le prendre. Un objet fixe. Oh putain. Ça me glace le sang, vous pouvez pas savoir à quel point. Je flippe. Je flippe sévère. Non. Allez, la porte de gauche. Une salle. Putain, encore. Alors, attendez. Il faut que... Il y a un magicien squelette. 3 magiciens squelettes. Ça le fait. Faut prier. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, et là. On sort de ralentissement. Un seigneur ghoul. Un seigneur ghoul. Putain,
tu vas mourir. Je déteste les ghouls. Je hais les ghouls. Non. Voilà. C'est 33 pour une ghoul. Ça va. Oh bordel les mecs. Empalé. Oh la tête. Mec, je crois que t'es mort. Je crois que tu n'as plus la tête sur les épaules. Oh putain. Nom de Dieu. Ok. La dernière porte. Elle est là. Reste ton calme. J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais trouver. Ok. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh non. Oh bordel. Ok. Oh bordel. Ça prend la maintenant. Je suis mort lui. Un par un. Il est en train d'avoir le pouvoir. Faut tuer les rôdeurs en premier. Allez, encore un coup. Voilà. On fait maintenant les magiciens. Des bassements à lui, c'est pas grave. Non. Ah bah, les zombies. Je vais les dégager en un coup. Pour en premier. Sérieusement, des échanges de cibles. Merde, potion. Attaque. Attaque. Agonisant. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Il est en train de se donner le pouvoir de toutes ces créatures de rituels. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je pense que je vais me reposer. Voilà. Allez. Allez. Sérieusement. 3. Bien. Bon. Faut que je tue les créatures de rituel en premier. Quand les ennemis sont proches, ouais. Je pense que c'est totalement scripté, donc ouais. D'autant que je vois une porte à la fin. Je pense que c'est scripté, mais là le combat final il est devant moi. Donc je vais déjà tuer les créatures du rituel. Je pense. Non, ça sert à rien l'effectivité. Tac. Vite. Que le sale vous engloutisse. Putain, je le savais. Je savais, il faut d'abord tuer les créatures du rituel. Et là, il perd de sa puissance. Que le sol vous engloutisse. Soleno Samatka. Non. Lui. Vite. Et... oui. Il a perdu tous ses pouvoirs. À nous deux, connard. Tu m'as sous-estimé depuis le début. Maintenant tu vas payer tes crimes. Renversement. Putain, il me chère. Oh oui, critique à 27, toujours indemne. Ah non, non. Non, ça non, ça mec, non.
ça t'es gentil mec, mais non. Attaque sur l'Oscarat. Deuxième attaque sur l'Oscarat. Trop bien, il y a un 4 dans mes dents. Putain, là ça va être le coup le plus épique du monde. Waouh, 37. Non. Pas d'accord. Je suis pas d'accord, mec. Bam, 28. Toujours un M. C'est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Ok. Ah d'accord. Il a dû me lancer un sort avant. Tac. Poisson de soin, save et on y va. Ma mort ne fera pas cesser le combat. Ta gueule. Tu vas crever, t'as vu tout le mal que t'as fait. Raté, putain, c'est vraiment un jour. Putain, je réussis. Réussite aussi. Aïe. Mais comment je rate mes renversons? Oh putain, un sort de feu. Aïe. Oui, 5 points. On va juste enlever le quadruple. Allez. Putain, dès que son masque qui passe pas. Ah, un sort de soin. De feu qui réussit. J'ai réussi à l'esquiver. Ah, par contre, ça va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Je sens bientôt le sort de merde. Il a utilisé tous ses sorts. Oui, je crois qu'il a utilisé tous ses sorts. Mourir! Vous allez tous! Oh, mais vite! Putain, j'ai réussi à absorber 5 points de dégâts. C'est la première fois de ma vie. Putain, je suis agonisant là. J'y crois à mort là. J'y crois tellement à mort. Oh oui, Critique 25 qui passe. Oh oui. Bon, par contre, ce combat est chiant. On va y aller vite. On va y aller très très vite, je suis désolé. Vous attendez peut-être un combat incroyable, mais les attaques sur moi c'est cool, et à 28 c'est encore mieux. Potion de soin intensif quand même. Let's blur. Je suis désolé mais c'est un peu chiant. En même temps, si je vous montrais tout le combat... Ah, c'est une esquive. C'est un 39, il est toujours en train de blesser. Je pense qu'en même temps, si je vous montrais tous les combats, et c'est en même temps pour me faire pardonner du combat extrêmement long qui a duré. Ouais, mais c'est un sac à PV. C'est un sac à PV, le mec. S'il a 1000 points de vie, par contre, je suis très heureux de vous passer tout le combat. Putain, double esquive. Je suis vaincu. Ah. Je suis vaincu. Il est inutile de poursuivre ce combat. Vous me voulez en vie, j'imagine. Ok, alors ça c'est un choix moral. Prenez votre arc, mon ami. Vous tenez votre traître. À présent, que nous réserve la suite? Oh putain. Alors soit je le tue. Soit je l'amène et je le fais juger, ce qui est sans doute plus meilleur que de le tuer. Soit je dois attendre. Je pense qu'il doit être jugé. Ou elle le remettre surtout.
Oh putain. Ouais, je veux inspecter les environnements. Notamment cette porte. Putain, ça y est, c'est la fin. Alors. Ah. Putain, mec, si tu me joues un tour, je te jure que je te défonce. Oh, bâton. À vendre. Donc. Ouh, des gantelets. Oh putain, tout ça sera à négocier et à vendre. Enfin. Putain, mec, si tu me fais la bite. Une épée courte. Putain, mais par contre, je crois que ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas si je fais bien de le laisser en vie, putain. Je sais pas. Quelque chose me dit que j'aurais peut-être dû le. Putain, des établis d'alchimie. Oh oui, oh, du sang de dragon. Encore de l'eau bénite. Oh putain, des popos. Plein de popos. C'est enculé, avec tout prévu. Et là, c'est la dernière porte. Et après. Un coffre et une bibliothèque. Oh, oh, je vais te vendre. Mon sac est trop lourd. Alors, j'ai du mal à le porter. C'est le moment d'essayer. Qu'est-ce que ce sac fait là? Ah oui. C'est le moment d'essayer ce sac sans fond. Ah ouais. Ah putain, c'est utile. Les aventuriers de Richur. Allez, je vous laisse un peu de lecture quand même. Ah là, vous mettrez pause évidemment. Peu de lecture ne fait de mal à personne. Ah ah, le coffre verrouillé. Ah, je le savais. Je le savais, je l'ai senti. Oh, mais dites-moi que c'est la fin du jeu. Enfin, la fin du chapitre et la pile de livres. Allez, encore un peu de lecture et puis c'est bon. Celui-là, je l'ai déjà lu, oui. Et celui-là aussi, il me semble, peut-être. Ouais. Bien, allez, allons voir Dexter. On a fouillé la zone. Il est où? Il est là. Je suis sûr que si je le tue, c'est mieux. Cessez de retarder notre retour. Finissez de piller. Oui. Allez. Dis-moi que c'est la fin, dis-moi que c'est la fin, dis-moi que c'est la fin. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, 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 allez. La punition infligée à Dexter fut radicale, mais sa mort n'apporta que peu de satisfaction. Une simple exécution ne pouvait faire oublier les horreurs de la mort hurlante. Ceux qui avaient souffert se liguèrent les uns contre les autres. Ils voulaient trouver un responsable pour cette tragédie, et ils portèrent leur regard sur le plus proche ami de Dexter, Fentick. Il fut jugé coupable de négligence, et on le pendit pour apaiser la foule avide de sang. Certains estimaient la sentence injuste, mais ils se turent. Le devoir exigeait que tous restent unis. Ce n'était pas le moment de se diviser. Le culte pour le compte duquel Dexter avait agi n'avait pas encore été découvert.
La traque mena les héros de pas d'hiver à la ville de Port-Last, sur la côte de la mer des Épées. À partir de là, ils continuèrent leurs recherches pour découvrir les responsables de la mort hurlante et se venger d'eux. C'est triste. Sincèrement, là, je suis triste. Ah oui, je m'arrêterai pour discuter plus tard. Je prends juste deux trois. Oh, sauve d'armes, voilà. Ah, les amis, je suis triste. Donc là, techniquement. Oh, ta gueule. Donc là, techniquement, chapitre 2, parfait. Eh bien, là, je pense, là, j'ai des mots à dire. Donc, Dexter a eu sa sentence. Il est mort ou il est vif, ok. Par contre, Fentick, pendu. Là, ça, c'est triste. C'est triste pour Harry Bess, c'est dur de perdre un être cher. Ça vient de me plomber. Mais voyons le bon côté des choses. Le chapitre 1 est enfin terminé. Il est fini. Nous sommes dans une nouvelle zone de la map, je pense. Et ça, c'est beau. Du coup, je vais tout sauvegarder. Je vous remercie beaucoup, beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. Même si certains ont sans doute avancé dans les vidéos et les épisodes. Mais surtout d'avoir vu tout le chapitre 1 et d'avoir été aussi patient. Ça me touche beaucoup. D'ailleurs, si vous avez été aussi patient, mettez le mot vengeance pour Fentick dans les commentaires. Ah, moi je vais m'arrêter là. Enfin le chapitre 1 terminé, c'est beau. C'est beau, mais je veux plus. Je veux savoir pour qui Dexter travaille. Merci à tous d'avoir regardé cette session ma compagnie. La fin du chapitre 1 est terminée. Bientôt le chapitre 2 dans quelques semaines. N'oubliez pas comme d'habitude de partager la playlist, de partager les vidéos, de mettre des commentaires, de liker si ça vous ennuie ou bien de ne pas aimer. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre si vous le voulez sur Twitter, @Zraus1. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de Neverwinter Nights.